Elle est où? Attention. Oui, elle est où? Tu as trouvé? Va regarder là-bas. Ici, sur quel couloir. Il faut appeler son nom. Tu m'as acheté seulement. Bringen Sie nicht zu weinen, bitte. Dio est où? Va chercher. Elle te distrait comme ça, 5 minutes, vite fait. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et je ne veux pas m'être long parce que je suis fatigué. Moi, je travaille aujourd'hui. Et puis, hier, je ne suis pas venu, je n'ai pas fait un direct hier pour vous donner un debriefing, le résultat du procès. En dehors du procès, j'avais aussi d'autres rendez-vous. Et après, bon, le temps d'arriver à la maison, moi, j'étais fatigué. Il fallait que je me repose puisque je devais travailler aujourd'hui. Voilà. Donc, bonsoir. Maman Sylvie, tu as quitté la fenêtre. Si tu as. Bonne année, merci. Voilà. Donc, je vais aller vite fait. Tu as trouvé dehors. Tu as fait rire. Tu m'as écrasé le pied avec ta poussée. Ariane Pouska, merci. Donc, déjà, avant de vous donner le debriefing ou bien vous faire part de ce qui s'est passé hier au procès, j'aimerais d'abord déjà ici, du fond du cœur, vraiment remercier tous ceux et toutes celles-là qui me donnent, qui m'apportent leur soutien. Que ce soit le soutien moral, des conseils, même ceux qui m'appellent juste pour papoter avec moi, pour me faire penser à autre chose. Non, ne mets pas ta tête. Dior, tu veux Dior, va m'appeler Dior. Dis à Dior que maman l'appelle. Et vraiment, ça me... C'est énorme. Oui, ceux qui me, tous ceux et celles qui m'appellent, qui prient pour moi, qui passent une journée, qui passent des heures avec moi au téléphone pour papoter avec moi, pour m'amener à rire, pour me distraire au fait, pour me faire penser à autre chose. Et aussi, vraiment, un très très grand merci à tout cela. Excusez-moi s'il vous plaît, merci bébé. C'est un appel. S'il vous plaît, je suis en direct. Les appels m'interrompent seulement. Me coupe la connexion. Ça va me faire passer plus de temps en direct. Va m'appeler, je dis. Donc, je tente de dire un très, très grand merci à tous ceux-là qui sont en train aussi de m'apporter leur soutien financier. Vraiment, c'est ouf. C'est waouh. Je n'ai pas vu ça venir. Je ne m'attendais pas au fait. Je ne m'attendais pas. Même ceux qui m'apportent de l'aide au niveau administratif, c'est ouf. J'ai pas vu ça venir. Je ne m'attendais pas vraiment. Voilà. Donc vraiment, ne touche pas. Non. Vraiment, un très très grand merci. Que Dieu bénisse chacun de vous individuellement. Même pas individuellement, moi et mon français. Que Dieu bénisse chacun de vous de la même façon. J'entends Dieu parler. De la même façon, je suis très très reconnaissante pour chaque soutien que je reçois, moral,
administratif, financier, vraiment, je suis vraiment très, très reconnaissante. Il faut que vous compreniez que le lien, comme c'est là sur Facebook, quand vous cliquez dessus, vous ne pouvez pas voir. Il n'y a que les gens qui font le don, donc qui cotisent, et moi, qui pouvons savoir que, ok, j'ai cotisé parce qu'on vous donne, je ne vais pas vous envoyer des notifications. Voilà. Bon, aussi, vraiment, j'aimerais dire un très, très grand merci à tous ceux-là qui sont actuellement en train de faire ma publicité parce que je vais vous dire, depuis que vous avez commencé à faire les directs, je ne sais pas, vous pensez que vous vous moquez de moi ou que vous faites quoi ou bien que vous êtes en train de me dénigrer ou de me faire quoi, je ne sais pas. Mais non, grâce à vos publicités, votre publicité, cette publicité que vous me faites actuellement, Dieu est en train d'opérer les miracles. Alors, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je vous remercie pour ça. Et je ne peux que vous dire, voilà, continuez ainsi, pardon. Parce que, apparemment, c'est une façon, vous me boostez inconsciemment. Donc, à tous ceux-là qui font des sorties, qui pensent. Qui pensent, comment ça s'appelle, faire des sorties négatives sur ma personne, je vous assure que non. C'est pas négatif, au contraire, c'est positif. Seulement hier et aujourd'hui, les miracles que j'ai eus dans ma cagnotte, vous voyez, ça me donne le sourire. Ça me donne un très très grand sourire et une très grande force. Et en dehors de ça, les gens qui m'appellent, qui me donnent les numéros des avocats privés, que j'arrive à contacter, qui me redonnent espoir dans ma situation pour moi et mes enfants, c'est ouf. Vous comprenez? Des mamans, des sœurs qui prennent le temps de m'appeler, Lydie, je sors du travail, je suis fatiguée, mais je veux passer, si tu me permets, je veux passer même 1 heure de temps avec ton téléphone. Parlons de tout, de rien, on n'est pas obligé de parler de ton problème. Parlons de tout et de rien, on papote. On me fait rire, on me chatouille. Je suis là comme un enfant qui est en train d'être chatouillé par sa mère, vous voyez, ou bien par son parent. Et je me mets à rire, j'oublie, ça me déstresse. Et ça m'évite un peu d'avoir les rides à moins de 40 ans quand même. Hein. Disons même moins de 35 ans. Donc, voilà. Et ceux qui s'inquiètent, qui disent non, peut-être elle va faire marche arrière. Je vous rassure ici, je vous donne ma parole. Il n'y a pas de marche arrière. Parce que même quand je prie, je dis Seigneur, même si c'est dans mon rêve que ce cauchemar apparaît. Hé, hey, mamie, pardon, remets là-bas. Merci. Même si c'est dans mon rêve que ce cauchemar réapparaît. Pardon, fouette-moi seulement. Merci. Je fais quoi avec tous les couches maintenant? Vraiment, alors là-bas. Pardon, fouette-moi seulement. Donne-moi la force de le tuer dans mes rêves. Parce qu'on dit souvent, quand on tue l'esprit de quelqu'un, la personne aussi meurt physiquement. Donne-moi la force de l'éliminer même dans mes rêves. Parce que même là, c'est couper mon doux sommeil. Que il y a des consoeurs et des frères qui investissent leur temps, leur énergie pour m'apaiser, pour me donner une journée agréable et puis pour me permettre à trouver un sommeil doux et léger et après le cauchemar va apparaître dans mon rêve, ça va me couper le sommeil. Et là je dis Seigneur, non, 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 faut pas que ça arrive avec. Voilà. Ok. Donc vraiment un très très grand merci. Il faut aussi que je vous dise que pour l'instant vous ne pouvez plus faire de transactions sur le PayPal parce que ceux qui me servent de journalistes qui sont en train de faire ma publicité, mes chers frères, mes confrères et mes consoeurs, pardon, qui sont en train de faire ma publicité, ont signalé, donc là, c'est suppose. Donc, pour tous ceux qui aimeraient continuer à me venir en aide sur le point financier,
Contactez-moi inbox et puis on a une autre solution suite à ça aussi, voilà. En attendant que j'entre en contact avec PayPal pour arranger le déclin, voilà. Et après, tout reviendra pour qu'on comment ça s'appelle? Tout reviendra en place quoi. En attendant, pour ceux qui veulent continuer à contribuer, à m'aider, sachez que vous pouvez venir directement dans mon inbox et puis je vais vous faire pardonner les coordonnées respectables que j'utilise pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, pour en venir au procès d'hier, qui était le 4 janvier. Avant d'arriver déjà, j'aimerais aussi d'abord souligner un truc. Merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à Alphonse, hein, à un seul fils prodige, oui, parce que son retour dans cette maison a opéré les miracles. Oui, ça a opéré les miracles. Ça m'a permis de me délivrer, de me détacher d'un tourment où j'étais, je m'étais, d'un pétrin où j'étais entré. De moi-même est ressorti, vraiment, c'était ouf. C'était pas aussi évident, mais avec la grâce de Dieu, c'est un enfant, les enfants sont les anges. Je suis sûr que Dieu est passé par lui, Dieu l'a utilisé pour que je puisse sortir de là et je le rends grâce et je dis merci. Voilà. Donc, Papa, oui, bébé, regarde ce que qu'est-ce Chanel a fait. Tu remets ça là-bas et merci. Ouais. Donc, pour revenir au procès d'hier, le procès a eu lieu et mon ex-bourreau, vous dites bourreau, quoi, je sais pas, ce truc-là, au fait, il n'était pas présent au procès, ce qui était un point de plus pour moi parce que ce soit le juge ou la DAS, ça a juste confirmé. Déjà, c'est que j'avais déjà donné comme preuve au tribunal qui prouvait qu'il ne s'en foutait pas mal des enfants. Il s'en fout de ses enfants. Les enfants ne l'intéressent ni d'Adam ni d'Ève. Donc, suite aussi aux vidéos, puisque la DAS avait vu les vidéos, mais il n'était pas en possession. Donc, le juge n'avait pas encore vu les vidéos. Et suite au rapport du médecin d'État qui avait consulté les enfants en France quand ça avait eu lieu et au rapport du foyer aussi où les enfants étaient placés pendant tout ce temps, donc où le foyer où sa soeur avait donné les enfants, ils avaient fait un rapport sur l'état psychologique, émotionnel des enfants et physique aussi. Donc ça, ils avaient envoyé ça à la DAS de l'Allemagne, dont la DAS a pris le temps de traduire ces documents en allemand et de les fournir au tribunal. Donc, suite à tout cela, la garde des enfants m'a été donnée toute seule. J'ai pas envie de rire, mais je suis obligée, je suis contente. C'est un truc positif, c'est un pas vers l'avant, c'est ouf. Voilà. L'autorité parentale l'a été retirée et on me l'a remise à moi toute seule. Donc, depuis hier, j'ai l'autorité parentale sur mes trois filles à 100% plein. Voilà. Donc, au début, j'avais peur parce que la DAS me disait que non, s'ils ne venaient pas, le juge allait renvoyer le procès pour donner un deuxième rendez-vous. Mais les preuves ont été assez suffisantes pour montrer que non, il n'y a pas besoin d'un deuxième rendez-vous. Voilà. Et que c'est très nécessaire et très important et urgent qu'on me donne la garde des enfants exclusive toute seule. Voilà. Parce que s'il y a les démarches à faire pour les enfants, tant que lui, il avait une partie de l'autorité parentale, je ne pouvais rien faire parce qu'il fallait sa signature. Donc, suite à ça, voilà. Ça, déjà, c'est positif, c'est bon, c'est super, je suis ouf. J'ai eu la garde exclusive des enfants, dont l'autorité parentale, 100% toute seule pour les trois.
Voilà. Et le juge m'a demandé de me rapprocher auprès du tribunal de criminel pour faire une demande pour que, en allemand, on appelle ça un Bannmeld, donc une interdiction d'approche qui ne s'approche pas des enfants et de moi de plus de 500 mètres. Voilà, donc ça aussi, je vais le mettre en cours. Parce que vous savez, tout ce que l'État va me demander de faire maintenant, et en dehors même que l'État me demande de faire, moi-même, je dois prendre ces précautions si je ne veux pas perdre mes enfants. Parce que c'est une chance, c'est une grâce. Je pense qu'il y a, c'est pas que je pense, je sais, il y a la main de Dieu dedans, qu'ils ne m'ont pas enlevé cette fille. Cette fille, parce que même le juge, il m'a réprimandé, il m'a dit, mais madame, attendez, vous êtes placée là, vous êtes, regardez comment il bat. C'est parce que ici, on ne les appelle pas des enfants, on les appelle des nourrissons. Ce sont des nourrissons, ils n'ont même pas encore 3 ans. Et vous avez quand même le temps de filmer au lieu de défendre vos enfants directement. Et là, Dieu merci, il y a aussi la vidéo au moment où même je parle. Moi-même, je me fais violenter, j'ai fait comprendre au juge. Et certains d'autres éléments que j'avais, que je ne vous ai pas encore présentés ici sur les réseaux sociaux, j'ai fait comprendre au juge que si en cet instant, moi, je le touchais, si je le touchais corporellement, peut-être je n'allais plus être en vie. C'est qu'il allait m'abattre. Parce que tout sauf ça, hein, quand il est dans ces états-là, Alphonse, moi, du tu as mes cheveux, ça va rien du tout. J'aime du tout le matin. Attendez, Chanel, attends, Alphonse ouvre la porte. J'aurais pu me faire abattre. Donc, dans ce genre de situation, tout ce que je peux faire, c'est de parler, crier, mais surtout pas toucher. Voilà. Donc, bref, le résultat a été bien. J'ai eu la garde exclusive des enfants. Tata a fait quoi? Tata ne veut pas te donner quoi? Va dire à Tata qu'elle te donne. Elle dit à Tata que maman a dit qu'elle te donne. Toi aussi. Attends, reste comme ça. Je ne veux pas que tu sois dans le direct. Dis à Tata qu'elle te donne, d'accord? Dis que maman a dit qu'elle te donne. Voilà, donc je suis très contente. Raison pour laquelle vous voyez, j'ai ce sourire sur mes lèvres. Et puis, bon, voilà. Donc ensuite aussi, il y a une consoeur qui m'avait contacté, qui m'avait donné le numéro d'un avocat. Privé que j'ai contacté, j'ai aussi pas seulement contacté, je pense que c'était lundi que bon pendant que je faisais, j'avais fait mes sorties là, m'avait laissé le numéro et tout. Donc j'ai profité, puisque je n'habite pas au centre-ville, hein, je habite dans un petit village, je dois prendre le train pour voyager et sortir avec tous les enfants là, comme ça quand il fait froid c'est pas évident. Donc j'avais profité, j'avais pris rendez-vous avec l'avocat aussi hier. Donc après le procès, attends, assieds-toi ici. On va prendre ta tablette, tu viens avec. On apprend l'alphabet. Oui. Donc j'ai profité, je suis allé le voir. Il a dit il y a une possibilité qu'il puisse m'aider, moi et mes enfants. Il a fait sa requête. Bon, là, avec ce que vous m'avez déjà donné et vous continuez à donner. Quand je vais signer un accord avec lui, quand je vais signer un engagement avec lui, que oui, je m'engage à travailler avec lui pour qu'il gère mon dossier, je vais vous tenir informé au bout du fil comment ça se passe, comment les choses avancent et tout et tout. Aux côtés de l'assurance maladie, pour moi et les enfants, j'ai visité aussi 3 assurances maladie hier parce qu'en sortant, je suis sorti avec mon contrat de travail. Et, 2 m'ont rejeté, mais il y a un qui a accepté. Qui a pris mes données, moi et les enfants, et les 3 filles. Donc, là, j'attends. Ils ont dit que. En espérant. Attendez un peu. Voilà. Donc, j'attends. Ils ont dit qu'ils vont m'envoyer une lettre de confirmation. Ils vont contacter mon employeur. Reste comme ça, ne sors pas. Qui te fait même pleurer? Ils vont contacter mon employé pour l'informer que j'ai fait une demande. Puisque quand tu travailles, c'est ton employeur qui paie ton assurance. Pour moi et les enfants. Et après, ils vont donc m'envoyer une lettre pour me confirmer si ils nous prennent ou pas
si on sera assuré ou pas. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà, c'est un peu un petit débriefing, c'est pas moi qui t'en pensais, de ma situation actuellement. Voilà. Donc, sinon, comme je vous disais tantôt au début, vraiment, 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 un grand merci, que Dieu vous bénisse, que je sais pas qui est en train de m'appeler là, mais je suis en direct, je ne peux pas prendre la tête sur ça. Donc, un grand merci à tous ceux-là qui m'apportent leur soutien dans tous les sens. Un grand merci à tous ceux-là qui sont en train de faire ma publicité, qui sont en train de me booster. Je ne sais pas si elle dit publicité, mais qui booste mon histoire grâce à leur sortie, parce que je me rends compte que grâce à ça, même les gens qui n'avaient pas encore écouté, mais direct, subitement, ils viennent chercher, mais c'est qui elle, on parle de qui et tout. Et ils écoutent mes directs et vraiment, ça leur donne, avec la force de l'Esprit Saint, la volonté et le courage de merder dans tous les sens. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse tout un chacun et vraiment qu'il vous rende au centuple tout ce que vous êtes en train de faire pour moi, moralement, psychologiquement, administrativement, je sais pas, financièrement, je vous dis seulement un très très grand merci. Je ne m'attendais pas, j'ai pas vu ça venir. Moi, je suis venu sur Facebook pour parler, pour me libérer parce que bon, c'était un peu trop de chantage. Je vais venir dire à Facebook, tu vis là, tu et tout. Bon, j'ai préféré le faire moi-même. Et je m'attendais vraiment à beaucoup, à être jugé, et je sais pas, beaucoup de trucs négatifs. Mais le positif que je reçois actuellement, Dieu m'est témoin, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Et sachez que vraiment, je reconnais l'acte que j'ai posé envers mes enfants. Je sais que j'ai très mal réagi de ne pas avoir mis fin à tout cela à temps. Je reconnais que c'était malsain de ma part de les avoir laissés souffrir, de vivre cette maltraitance. Je le sais. Je dis, je suis désolé. Et maintenant, j'ai repris conscience, je veux faire mieux. Je veux faire mieux. Je veux remettre tout en ordre. Ça va prendre du temps, mais petit à petit, avec votre soutien, je suis en train d'avancer et je sais que d'ici peu, on aura un très très bon résultat. S'il vous plaît. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, le PayPal pour l'instant, vous ne pouvez pas faire de transaction parce que ça a été signalé. Donc, il faut que j'entre en contact avec PayPal pour fournir les documents dont ils me réclament. Donc, pour ceux qui veulent continuer à m'aider, et ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent continuer à me venir en aide aussi sur le point financier, contactez-moi à inbox, je vais vous donner un autre moyen possible de m'aider. Et s'il vous plaît, vraiment. Alphonse, va s'en souriait en détail. Ça va. Ça va. J'ai une pression énorme parce que mon récépissé qu'on m'a donné de quitter le territoire, ça se périme le 22 février, le 22 février ou le 24 février. Attends, je vais te donner de l'eau. Va prendre une bouteille d'eau, tu vas me donner. Je prends entre le 22 et le 24 février 2023, ça va se périmer. Donc il faut à tout prix que l'avocat lance la procédure pour que au moins quand ça va se périmer, la procédure soit déjà lancée, elle soit déjà en cours. Ça me fait gagner encore en temps. Ça me fait encore gagner en temps, vraiment. Je ne saurais citer les noms de chaque personne ici. Sachez que ce soit la reine Nebio, que ce soit Tata Lolo, que ce soit Tatana, Coco Kwetu, je dis la Black Beauty, tout ce monde-là, et même, je dis tout le monde, même d'autres blogueuses avec qui j'ai jamais eu de contact personnel, je dis tout le monde, je reçois le soutien moral, financier, psychologique, émotionnel, vraiment.
Ça fait du bien de voir que je me lève le matin, j'ai les messages dans mon téléphone. Lydie, bonjour, comment tu vas? Comment tu te portes? Comment vont les enfants? Est-ce que vous avez bien dormi? Dans l'après-midi, en fin de journée, Lydie, ça comment? Ta journée s'est bien passée? Tu étais au travail? Le travail était comment? Tiens la tête haute, courage, ça va aller. Les prières qu'on m'envoie, celles qui m'appellent pour prier avec moi en ligne, je vous dis, je pense que vous pouvez voir moi. Là, actuellement, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je pense que ceux qui ont pu m'avoir aujourd'hui au téléphone pendant que j'étais au boulot peuvent témoigner. Je suis fatigué. Je sors du travail, les enfants, et puis voilà, j'ai mes tâches ménagères aussi et tout. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, si je fais une sortie, à chaque fois qu'il y aura un truc de nouveau, les choses vont avancer. Je vais toujours venir parce que ça ne sert à rien de faire un poste. Je suis venu demander de l'aide à visage découvert. Pour le respect, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi actuellement, je pense que le respect demande et voudrait que je vienne aussi vous donner le briefing de ce qui se passe, comment les choses avancent et tout, voilà. Donc, vraiment, merci, merci encore. Que Dieu vous bénisse. Tout sans exception. Merci beaucoup, la reine Ken. Ah ouais, toi, je sais pas, toi tu es exceptionnel. Toi tu es là depuis des années. Tu es là depuis des années, la reine Ken. Tu es là depuis 2017. Malgré que je te désobéis beaucoup, mais je t'ai promis, je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer. Je vais commencer à t'écouter. Sans oublier aussi, bien sûr, Maman Sylvie. Comme j'ai dit, je ne saurais citer les noms, parce que s'il faut que je cite les noms de tout un chacun. Et il y a beaucoup qui aimeraient rester en anonyme, donc. Au fait, Klendung, pour répondre à ta question, en Allemagne, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, en Allemagne, même quand on te donne le récépissé qui te demande de quitter le territoire, quand tu veux travailler maintenant, si tu as trouvé un travail, tu appelles la préfecture, tu leur dis, tu as trouvé un travail. On va te demander de ramener ton récépissé, on va écrire dessus que tu as l'autorisation de faire ce travail précis. Donc, quand tu m'as offert un dit tu vas un tu bring. Il y a dans le parc d'un exact que Zo va être avec tes sinistres comme. Je dis, ben, il est mal. Va être reste comme ça, Dior. Attends, j'ai déjà fini. Donc, je répondais à la question. De la sœur. En Allemagne, quand on te donne un récépissé, même si on te demande de quitter le territoire, sur ce récépissé, quand tu trouves un boulot, tu dois appeler la préfecture, tu leur dis tu as trouvé un boulot à tel endroit. On te demande, dis oh, toi, assieds-toi ici. C'est Chanel qui est assise là. Viens, assieds-toi, Chanel. Assieds-toi. Tu peux aller voir, on te demande de venir avec ton récépissé, l'adresse et le lieu de service où tu veux, où tu as trouvé le travail, et on te donne l'autorisation. Ouais. Oh, laisse-la, Dior. Elle ne veut pas, laisse-la. On te donne l'autorisation de travailler à cet endroit seulement aussi longtemps que ton récépissé est valable. C'est pour ça mon contrat actuel que j'ai. Il n'est que valable de 4 mois. Est-ce que vous comprenez? Il n'est que valable de 4 mois. Et donc, ce qui veut dire même que les 4 mois là, c'est jusqu'à mars. Si le 22 ou le 24 février. Ouais, laisse ses pieds. Si elle ne veut pas fermer ses pieds, tu la laisses. Si il ne prolonge pas ça, je ne peux plus travailler. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'avant. Le 22, Dior, laisse-la. Pourquoi tu la suis? Avant le 22 février, il faut que l'avocat, que j'ai déjà signé l'engagement avec cet avocat,
Et puisqu'il m'a demandé de payer le un quart pour l'ouverture du dossier, comme ça, il lance la procédure. Et j'espère qu'en lançant la procédure, ça va faire en sorte que on prolonge ce récépissé. Bon, je ne sais pas. On verra jusqu'à ce moment ce qui va se passer. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai encore ce mois où je peux travailler le mois de février jusqu'au 22, voilà. Et après, à partir de là, c'est un peu ça, quoi. Bertrand Chic, au fait, l'avocat a dit que les enfants sont mineurs, donc c'est moi qui ai à la tête, c'est moi qui les représente. Pour 5 personnes, l'avocat m'a demandé 7 000 euros pour 7 personnes. Pour gérer le dossier, parce que Chanel, ferme tes pieds, tu laisses Dior aussi s'asseoir. Et je te dis, Dior, quand tu veux quelque chose, tu ne cries pas, tu demandes. Non, tu ne la pousses pas, on ne tape pas. Non? Si tu veux taper, tu pars dans ton lit, Chanel. Tu vas aller dans ton lit? Tu vas aller faire dodo? Non, alors tu ne tapes pas ta grande soeur. Ok? C'est son âge. Oui. Dis pardon, demande pardon à Dior. Dis pardon, Dior. Merci, bébé. Voilà. Et bon, je vais essayer de négocier. Il m'a dit déjà, mon cas est urgent. Et il s'agit ici de 5 personnes parce qu'il ne va pas écrire que c'est au nom de la famille. Non, il écrit pour moi, il écrit pour chaque enfant et tout. Ça va le prendre beaucoup de temps et tout. Bon. Dior, tu te plaignais maintenant. Assieds-toi comme ça, tu l'as trouvé là, tu la laisses là. Après, quand il va te mordre, tu vas commencer à crier. Voilà. Donc, il a dit pour l'ouverture du dossier, je dois donner un quart. Je pense un quart. C'est 1 700 euros. Donc, arrête de crier. Tu n'as pas besoin de crier. Tu peux parler. Assieds-toi comme ça. Tu peux parler. Tu n'as pas besoin de crier. Voilà. Il demande pour l'ouverture du dossier, il demande un quart à un drittel. Ein Drittel, je sais pas, en français, ein Drittel, c'est quoi? Ein Drittel, je pense c'est un quart. Ouais, je pense c'est un quart. Donc, si on fait un quart de 7 000 euros, je pense c'est. Si je me trompe pas, je pense ça doit être dans les 1 700 000. Dior, tu peux laisser ta soeur tranquille? Okay. Tu vas aller dans ton lit? Tu parles. Attends, tu prends ton rat ici. Hé, hey, Chanel, arrête. Oui, elle ne veut pas que tu la touches. Elle fait le nyanga. Laisse-la. Un tiers, ok, un tiers. Un tiers, ok, pardon. Je cherche à traduire. Reste là-bas. Je ne veux pas. Ne monte pas ta tête ici. Reste là-bas. Un tiers. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas. Au fait, c'est un peu ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions que je peux répondre. Là, je vais vous répondre. Au cas contraire, je vais vous laisser pour ce soir. Tu as vu ce qu'elle t'a dit, non? Je t'ai dit de la laisser, elle va te griffer, n'est-ce pas? Asia, ça va. Ça va, bébé, ça va, Asia. Chanel, va dans ta chambre, va dans ton lit. Je vais te punir. Parce que... Non, va dans ton lit, va dans ton lit. Tu as fait du mal à Dior. On fait pas ça. Ça va, Asia. Asia, bébé. Montre-moi, elle t'a griffé. Regarde. Tu as vu? Ça s'est envolé, c'est parti. C'est parti. Oui, la douleur est partie. C'est parti. Toi, arrête de crier. C'est toi qui as fauté. C'est toi qui as fait mal à ta soeur. Demande pardon à ta soeur. Elle ne veut pas jouer Dior. Voilà, regarde, Dior veut te faire un câlin. Oh, l'amour de deux soeurs. Oh, que c'est mignon. Voilà, oh là là. Si elle pouvait montrer ça maintenant en direct.
Ouais, Seigneur. Oh, bravo. Bravo, Dior. On applaudit pour Dior. Chanel applaudit pour Dior. Applaudit pour Dior. Après, on applaudit pour Chanel. Voilà. On applaudit aussi pour Chanel. Donne-moi ça. Super, toi aussi. Quoi? Oui, va prendre. Super, voilà. Non, ne recommencez pas. Yeah. Attendez un peu. Tu es une maman seule avec le message. Pourquoi? Un avocat. On regarde tes revenus en principe. Tu as le droit à un office juridique. J'ai le droit à un office juridique, mais vous êtes sans ignorer que un avocat commis d'office ne fait jamais son travail comme quelqu'un que vous payez en privé. Un avocat commis d'office travaille pour l'État. Si je prends un avocat commis d'office, ils ne vont jamais lui donner 7 000 euros pour mon dossier, pour moi et mes enfants. Donc, si je pars dans son bureau, je lui dis, monsieur, donnez-moi le truc, je m'en vais au tribunal. On met le terme, le cachet, qu'on va le payer. Il ne aura jamais ce montant. Je ne vais pas prendre le risque maintenant de jouer avec ma vie et la vie de mes enfants. Ce n'est pas le moment. Le moment n'est plus à tâtonner, à faire des essais. Dior, laisse-la. Je t'ai dit qu'elle ne veut pas, tu la laisses. Chanel, maîtrise. Chanel. Chanel a fait quoi? Chanel a fait quoi? Elle a touché la télé. Chanel. Chanel, tu ne touches pas la télé. Tu peux visionner, mais tu ne touches pas. Donc c'est un peu ça. Marie-Lise. Maman, c'est beau. Voilà, les commentaires défilent très vite. Maman, c'est beau, c'est beau. Ben, tu veux. Maman, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Maman, c'est beau. Maman, maman. Oui. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah oui, maman. C'est pas au moment de... Dior, laisse-la, pardon. Maman, c'est les couches que vous avez jetées par terre. Tu remets ça où c'était, s'il te plaît, Dior. Pour Pada? Oui, pardon. C'est pas pour Pada, ça c'est pour vous. Ah bon? Voilà, chaîne là, quand même, il va refuser. Il va refuser. Il va comprendre. Ils savent, non? Ils perdent. Ils ne gagnent rien. Non, les enfants, les filles ne vont pas encore ni à l'école, ni à la crèche, ni à la maternelle. Il n'y a qu'Alphonse qui est lycéen. Il n'y a qu'Alphonse qui est pas au lycée. Dior va commencer la maternelle là en mai, au mois de mai, donc en été. Sinon, les autres, elles sont tous à la maison. Il n'y a qu'Alphonse. Et l'école va reprendre lundi. C'est pas un problème. Voilà. Donc, ouais, Adila. Justement. Voilà, donc je pense avoir répondu. Mon fils qui a la nationalité. Alphonse n'est non plus en règle. Mon fils qui a la nationalité en famille d'accueil, il n'est pas avec moi. J'ai pas les droits. J'ai pas l'autorisation parentale sur lui. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Et puis, je vous reviens très bientôt. J'espère avec de bonnes nouvelles. En tout cas, au fur et à mesure que les choses vont avancer, je vais vous tenir informé.
Je suis merci bien. Donc, je vous dis un gros bisou. Maman. Oui. Un gros bisou et bon début de semaine à tous. Oh là là. Laisse-la, elle ne veut pas. Laisse-la. Allez, sur ce, un gros bisou et bon début de week-end à tous. Bisous là-bas.